vous voici enfin au volant de cette nouvelle Ford Focus RS. On l'avait découvert au salon de Francfort en 2015 et là cette fois-ci on est vraiment à son volant. Alors les principales caractéristiques techniques de cette Focus RS, c'est bien évidemment sa transmission intégrale permanente. La deuxième, c'est son nouveau moteur. Elle hérite du 4 cylindres 2 litres 3 turbo de la Ford Mustang, mais cette fois-ci, il passe à 350 chevaux. Alors sur la route, l'ensemble se traduit par une efficacité assez démoniaque. La sonorité du 2 litres 3, elle est plutôt sympa. C'est sûr, on regrette un petit peu celle de l'ancien 5 cylindres, mais là, on l'entend très bien. Pour un petit 4 cylindres, ça sonne pas mal. Alors à bord, rien ne la différencie d'une Ford Focus classique, hormis les gros sièges Recaro qui assurent un excellent maintien. Mais ce qui la différencie vraiment d'une Focus classique, c'est ce petit bouton magique Drive Mode qui permet de jongler entre plusieurs modes de conduite. Il y a un mode normal, un mode sport, un mode circuit et un mode drift qui permet de faire des figures à la Ken Block sur circuit bien évidemment. Alors comment ça marche? Eh bien, on a un différentiel qui se bloque, on a 80% de la puissance qui vient sur les roues arrière. Alors le gros avantage de cette Focus RS, c'est bien sûr son tarif. Elle est affichée à 38 600 euros. Sur le segment et sur le marché, au niveau rapport puissance-performance, il n'y a pas mieux.